Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum. On va faire une Microsoft Word. On va dire un exercice à la comment faire un formulaire. Il a un formulaire de la WADA. On va dire un peu de temps. On va dire un formulaire de la لو تكست غنبداو به هو الاول اذا بدينا بلو تكست كتبنا لو تكست كامل اذا لو تكست عندنا بوليس كوميك سان ام اس هو الاول غادي نبداو به اذا الفو سيليكسيوني تو تو لو تكست كونترول ا كونترول ا بوليس اون فاشوازي كوميك سان ام اس كوميك سان ام اس اذا ا بي Oui, c'est bon. Donc, deuxième étape, consultation de suivi, le titre. On va modifier le titre et on va sélectionner le titre. Il est de taille 28, taille 28. Okay. Il est centré. Maintenant, les bordures en dessus et en dessous. Je clique sur les bordures. Je choisis bordure inférieure et bordure supérieure. C'est bon. On va passer aux tabulations. Ici, on a des points successifs. On va utiliser tabulation. Je clique ici. Par exemple, Brina, les points au niveau de L. Je clique sur la règle. Par exemple, ici. Deux fois successives. Et tout à l'heure, le tableau de la tabulation. Je choisis les points et je fais OK. Lorsque je clique sur la touche tabulation, directement les points sont insérés. Même chose pour suivi par, il y a des points jusqu'à la fin de la ligne. J'utilise même chose tabulation, je clique à la fin du règle. Non, je clique sur la règle. Deux fois successives. Oui. Je choisis les points. Je fais OK. Donc, tabulation jusqu'à la fin. Je peux modifier d'après la touche de tabulation. Si. Oui. Pour le sous-titre. Identité de patient. Identité de patient. Avant le titre, on a une insertion du symbole. Je fais entrer pour donner. Je la ligne, il est vide. Je fais insertion, symbole. Insertion, symbole. Je choisis. Le symbole d'Eli, il m'a caché un dit d'un autre symbole. Il donne un arc, c'est qu'on a dit Wings, il est jamais allé observer. Il donne un retard le symbole d'Eli ici. Je peux insérer première fois, oui, première fois, deuxième fois et troisième fois. Je fais fermer, je le mets au centre de la ligne. On a même chose pour les autres. On insère ou on identifie du patient. Là où est le sous-titre ici. Avec la taille, je crois la taille 18. La taille 18. Je souligne. Je
une ligne, je mets une ligne vide entre les deux. Donc je sélectionne identifier patient, je modifie la taille 18, je mets la taille 18, je mets une bordure inférieure. Et là, je mets une bordure inférieure. Oui. Pour les autres, je mets reproduire la mise en forme. Reproduire la mise en forme pour le titre, la consultation. Oui. Je clique deux fois. Pour le titre, la consultation. Même chose pour le sous-titre. Après la consultation, on a les objectifs thérapeutiques. Les objectifs thérapeutiques, oui, même chose. Même chose pour aussi pour les habitudes alimentaires. Je peux modifier la taille si je veux. 14 14, oui, la consultation 14. Identifier les patients, même chose. Oui. Je sélectionne le rôle. Je peux faire une chose pour les autres. Oui. Les évolutions dans le titre, les rois, les habitudes alimentaires. Les habitudes alimentaires. Oui. Et après, on a la dernière. C'est les évolutions depuis la dernière consultation. Depuis la dernière consultation, c'est bon. On va passer maintenant. Identifier des patients, nom, date de naissance, téléphone, prénom, âge, médecin traitant. Et dans Hado, j'insère un tableau en deux colonnes et trois lignes. Tableau en deux colonnes et trois lignes. Je mets le curseur à la place entre, je désactive le reproduire la mise en forme. Je fais insertion, insertion, tableau. Je mets deux lignes, deux colonnes et trois lignes. Deux colonnes et trois lignes. Je mets le texte, le nom, pour le nom. Non, deux points. Après, prénom ici, prénom. Date de naissance. Date de naissance, téléphone, âge, deux points, et médecin traitant. Traitant. Après, je mets les tabulations pour ajouter les points. Les tabulations pour ajouter les points. Je clique ici, tabulation. Je mets le curseur à la place
la sinu, je fais deux clics, tabulation, le point, ok, tabulation. Et then, il a vraiment qu'il n'a pas le tableau, quand il dit le contrôle, tabulation, je n'ai pas fausse la cellule d'Eli. Contrôle, même chose pour les autres. Non, annuler, c'est pas, je clique ici. Contrôle, tabulation, ok, contrôle, tabulation. Je peux modifier la position ici. Je peux modifier la position de l'autre. C'est bon. Contrôle tabulation. Je clique pour choisir la tabulation. Contrôle tabulation. Je modifie la position. Oui. Même chose pour les autres. Quand je choisis la tabulation, première chose. C'est bon, tabulation. Ok. Contrôle tabulation. Même chose pour H. Contrôle. Je choisis tabulation. Contrôle tabulation. Et la dernière. Je clique deux fois. Je choisis le contrôle tabulation. Et je peux modifier la position du curseur ici pour les points pour qu'ils soient alignés. C'est bon. Après, je modifie la taille. Par exemple, je peux ajouter par exemple ici. Même chose pour l'autre. Et la dernière. Et je peux éliminer les bordures. Je clique deux fois ici. L'activation de menu création de tableau. J'utilise bordure et je clique sur OK. Aucune bordure. Aucune bordure. Donc, c'est bon. On va passer à l'insertion des symbole, j'utilise c'est là, CTRL C, CTRL V, copier-coller, c'est bon. Pour la consultation, on a une tabulation pour la première ligne et autre symbole ici. Je mets tabulation ici, tabulation. Non, je clique sur la règle deux fois. Sur la règle, oui. C'est bon. Ok. Je mets tabulation. Pour les autres mère, père, on a l'insertion d'un symbole ici. Je mets le curseur à la place ici. J'ai fait insertion symbole. Je choisis autre symbole. Et pour le police, il faut qu'il soit Winx Dinx. Je choisis le symbole, le carreau, petit carreau. Je mets insérer. Je mets insérer, je mets fermer. Insérer, je mets copier. Je le sélectionne. CTRL C, copier. Je le mets ici. CTRL V. CTRL V. Pour la diminution, même chose. Je mets CTRL V. CTRL V. Et CTRL V ici. C'est bon. La taille, diminution, stabilisation, augmentation, même chose. Donc, je mets CTRL V, CTRL V, canon D, Aslan fait
تبقى خدام بهم كونترول في et je j'insère ici les tabulations avec les points. Donc je mets deux fois par exemple jusqu'ici, tabulation avec les points, ok. Je mets tabulation, oui c'est bon. Pour la taille, même chose, tabulation. Jusqu'ici, tabulation, les points, ok, tabulation, même chose pour EMC, le curseur ici, je clique deux fois, j'ai mis une tabulation avec les points, oui, c'est bon. Et pour les objectifs thérapeutiques, on a le texte ici avec une taille inférieure. On peut choisir la taille 9 ou bien 10. Je clique. Premièrement, je choisis le texte. Je modifie la taille, accueil. Je diminue la taille. Oui. Après, je mets notre curseur ici, j'insère un tableau. J'insère un tableau avec trois colonnes et deux lignes. Trois colonnes et deux lignes. Je mets insertion. Insertion. Tableau. Je peux utiliser insérer un tableau ou bien je le mets. Donc je vais insérer un tableau. Trois colonnes et deux lignes. Je mets OK. C'est bon. Je peux modifier la taille. La largeur. Premièrement, je modifie la hauteur. Et la largeur. De la hauteur. Et la largeur des deux. Qu'il soit identique, je le sélectionne, je mets clic droite, uniforme, la largeur des colonnes, c'est bon. Et bien, je peux modifier un tout petit peu, oui. Je mets le texte objectif. Objectif. Pour le patient et sa famille. Et on a pour la dernière, pour diététicien. Pour des diététiciens, c'est bon, et donc je sélectionne. Je mets une taille d'un accueil, gras, centré, c'est bon, je mets ici objectif, il faut que ce soit en majuscule, même chose diététicien.
C'est bon, je mets ici pour les habitudes. Pour les habitudes alimentaires, j'insère un tableau avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes d'insertion. Je vais entrer. Insertion. Tableau. Avec 7 colonnes et 8 lignes. Ok. Je mets mon texte absent, lieu incomplète. Donc absent. Lieu. Incomplète. Excès. Erreur composition. Erreur composition et la dernière c'est correct. Petit déjeuner. Matinée. Le déjeuner. Et en cas après midi, dîner. Et pour la dernière, encore après dîner. Donc, je modifie la taille. Les autres, d'accord, c'est bon. Et pour les autres, j'utilise uniforme, la largeur, clic droite, uniforme, la hauteur, et uniforme, la largeur. C'est bon. Je peux diminuer la taille de composition. Je sélectionne la composition. Je diminue la taille. C'est bon. Erreur composition. Correct avec un espace pour qu'il soit majuscule. Donc,
je peux insérer le symbole petit carreau ici, et avant ça j'élimine les bordures. Je clique deux fois, le menu création est activé, j'utilise bordure, aucune bordure, c'est bon. Je peux insérer pour chaque ligne, donc la insertion, symbole, j'utilise le symbole petit carreau, je le sélectionne, CTRL C, donc je l'utilise pour les autres, je sélectionne les autres, je mets CTRL V, voilà. Même chose pour incomplet jusqu'à la fin, d'ici jusqu'à la fin, je sélectionne les autres, je mets CTRL V, c'est bon. Donc je modifie le trame de fond pour les lignes, et donc les lignes petit déjeuner, je sélectionne toute la ligne, je mets trame de fond ici pour le tableau. Dans le menu création du tableau, on a trame de fond, j'utilise un trame de fond de couleur gris. Même chose pour CTRL, je sélectionne les autres, je clique sur la touche CTRL enfoncée pour sélectionner les autres, c'est bon. Je clique sur le trame de fond, même trame de fond ici, en cas de matinée, je sélectionne les deux, en cas après-midi, et je clique sur le trame de fond, c'est bon. Je sélectionne les autres pour les centrer, je clique sur centrer, donc le tableau est complet maintenant. Je mets insertion des puces, je sélectionne les puces, CTRL C, je le mets ici, CTRL V, entrée, je mets CTRL V, même chose pour les autres, insertion, CTRL V, et pour les évolutions depuis la dernière consultation, même chose, on a un tableau. Donc, on a un tableau. Oui, un tableau avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 colonnes et 9 lignes. Je mets le curseur à la place. Insertion, tableau, insérer un tableau. Et 8 lignes, 9, 8 colonnes, 9, 9 lignes. Ok. C'est bon. J'insère le texte. Petit déjeuner. Petit déjeuner. Grignotage.
new tâche. Sucrerie et bonbon. Produits gras, sucrés et salés. Produits. Gras. Sucrés et salés. Excès de quantité. Fruits et légumes. Vigilance des parents. Des parents. Et la dernière, synthèse. J'ai eu l'insertion des modules. Donc on a les modules, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 12, il y en a 9. Supprimer les colonnes. Deux, trois, quatre, cinq. J'ai mis l'insertion des mots ici. Deux, insertion, symbole, symbole, autre symbole. Je choisis première, insérer, la deuxième, insérer. Oui, je clique ici. J'insère la deuxième emoji. Donc, insérer. Pour la troisième, j'ai mis l'insertion de l'autre. Et pour la dernière, j'ai mis ici. Insérer, c'est bon. À poursuivre pour la dernière. Je ferai à poursuivre. Mais c'est l'insertion du petit carreau ici, oui.
Je sélectionne notre tableau, CTRL C. Je mets CTRL V pour les autres. Je sélectionne. J'ai mis centré. C'est bon. Et je mets uniforme pour les autres. Je sélectionne uniforme la hauteur et uniforme la largeur. C'est bon. Donc on va éliminer les bordures. Non, avant d'éliminer les bordures, je mets le train de fond en gris ici. Le train de fond en gris, je sélectionne les cylindres. Oui, j'utilise train de fond qui est en gris. J'utilise le train de fond en gris. Oui. Je mets les bordures, tous les bordures. On a ici les bordures en blanc avec une épaisseur de 3 points. Je modifie les bordures. Je clique deux fois. Pour les bordures, style de bordure, j'utilise. Je clique sur bordure, bordure étreinte. J'utilise la largeur de 3 points ou bien 4 points, j'utilise 3 points avec un couleur blanc et je mets OK. C'est bon. Donc notre tableau est terminé. Donc c'est bon. Je peux insérer les pieds de page ici. Pieds de page. Je mets insertion, insertion, pied de page. Je choisis page 1 sur 1, 2 sur 2. Je mets notre page ici. 1 sur 1, 1 sur 2. Et donc pour la dernière. Donc c'est bon. C'est bon. Maintenant, on a terminé le formulaire. Je vous remercie de vous avoir suivi. Si vous avez des questions, cliquez sur le bouton.